Salam alaikum, Mazel Fellaoun, bonjour. Visite de Sisi en Égypte. La caution algérienne s'accentue. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'actuelle visite du maréchal président égyptien en Algérie n'est pas sa première visite à un pays étranger, comme l'a dit la presse. En fait, dans les faits, si je peux me permettre de me répéter, et même sur un registre protocolaire, celle-ci, la première visite de Sisi, a été réservée à la toute-puissante Saoudie, désormais principal soutien du régime égyptien. En fait, ce fut bien le cas puisque le président Sisi a rendu visite au monarque saoudien dans son avion lors de l'escale de celui-ci sur l'aéroport du Caire. Le raïs égyptien est donc venu faire allégeance au roi saoudien dans le plus pire style féodal, en lui faisant la bise sur le chèche, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Donc il est allé faire allégeance au roi saoudien à bord de l'aéronef royal, considéré comme un espace souverain et inviolable du pays dont il transporte le chef de l'État. C'était donc, en fait, celle-ci, la première visite du raïs égyptien à un chef d'État étranger. Mais trêve de pinaillage. Faisons comme si c'était vraiment la première visite du maréchal président à un pays étranger, donc dans le nôtre. La belle jambe que ça nous fait, de toutes les façons. En fait, pour rester modéré, le président Sisi, putschiste, qui a renversé un président élu, est donc tombé naturellement du côté d'où il penchait en choisissant pour sa première destination un pays où le régime, qui dispose de la réalité du pouvoir, a réussi la gageure de faire élire, dans une parodie d'élection, une vitrine institutionnelle qui ne sait peut-être même pas qu'elle est censée être le président de la République. Et ainsi, lorsque les communiqués officiels des deux États annoncent que le président Sisi s'est rendu en visite officielle en Algérie sur invitation du président Bouteflika, nous avons affaire en la matière à la forme la plus aboutie de la langue de bois, puisque Bouteflika n'est ni dans l'état d'invité, ni encore moins dans celui de décider d'une telle initiative. Cette vérité n'en demeure pas moins d'une très grande portée, autant symbolique que stratégique, de la même manière qu'elle laisse imaginer des scénarios et des projets en tout genre. Le régime algérien ne s'est pas mis en branle un lobbying aussi intense auprès de plusieurs pays africains pour obtenir le retour au sein de l'OUA de l'Égypte, après qu'elle en ait été exclue, juste après le putsch contre le président Morsi, juste comme ça. On peut aussi imaginer que l'Algérie et la Libye ont été pressentis par qui de droit, entre guillemets, pour peser sur ce qui va se passer en Libye. Cela ne fera que renforcer une sorte d'axe stratégique de régime putschiste qui pourrait devenir le moteur des contre-printemps arabes. De la même manière que des coopérations économiques un peu particulières pourraient se développer entre les deux pays. Peut-être en termes d'hydrocarbures, mais pas seulement. Aujourd'hui, nous allons voir Al-Watan. Sur invitation du président Bouteflika, Al-Sisi en visite éclair à Alger. L'expression «
L'expression « Le président Al-Sisi consacre son premier déplacement à l'étranger à l'Algérie. Les secrets d'une visite. Africom, Égypte, visite inattendue d'Abdel Fattah Al-Sisi à Alger. Avec nous aujourd'hui, le docteur Abdelrahman Mabtoul, économiste, professeur des universités, et Monsieur Nizam Zouéouch, expert en énergie, ex-PDG Sonatrach. Monsieur Mabtoul, merci d'avoir accepté notre invitation. On me dit que nous l'avons perdu. Monsieur Nazim Zouéouch. Oui. Bonjour Monsieur Zouéouch, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Alors dites-nous, si nous devrions rester dans le seul domaine économique, quelle perspective cette visite du Raïs égyptien pourrait-elle générer, pourrait-elle laisser imaginer? Moi, je ne vois pas. Honnêtement, votre introduction, c'est un peu de désinformation, ce que vous avez dit. Hein. C'est un peu de choses. Dites-nous. Parce que les relations entre l'Égypte, il faut toujours tenir compte d'une chose. Les relations entre les pays, ce n'est pas nécessairement entre les hommes. Hein. Et les relations entre l'Égypte et l'Algérie sont séculaires maintenant. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il n'y a pas à essayer de parler de ceci parce qu'il y a eu des événements ou quoi que ce soit. Mais les relations entre l'Égypte, comme les relations entre l'Égypte et l'Algérie, comme les relations entre la Tunisie et l'Algérie, sont des relations séculaires. Ce n'est pas nouveau qu'il y ait des relations de ce genre. Hein. Et le président Sisi, en allant à l'Union africaine, et a fait un stop à Alger. Bon, moi, ça me paraît tout à fait normal, vu les relations séculaires qu'il y a entre l'Égypte et l'Algérie. Il ne faut pas y trouver toujours des raisons un petit peu particulière. Non, mais Monsieur Zouéouch, si vous permettez... Il faut les remettre à leur vrai sens. Monsieur Zouéouch, si vous permettez, puisque oui. Vous faites une remarque sur mon introduction, qui est mon introduction, ma façon de voir... Oui, c'est votre introduction, bien sûr. Mais est-ce qu'il ne faut plus voir en des putschistes? Il faut seulement voir les pays qu'ils représentent, qu'ils ont pris en otage? Est-ce qu'il faut faire table rase de toute l'histoire qui les a menés là où ils sont? Vous savez le nombre de pays dont vous parlez qui sont pris en otage ou pas pris en otage, ou etc. Il y en a d'innombrables sur la planète. Hein. Il faut voir maintenant quelle est réellement la volonté des peuples qui peuplent ces pays. C'est ça qu'il faut essayer de regarder. Voir si les gens qui habitent ces pays, parce que c'est à eux que revient le dernier mot, comment sentent-ils les choses et comment ressentent-ils les choses? C'est comme ça qu'il faut regarder. Voilà. Oui, oui, mais il n'empêche que... C'est ce que je veux dire. Moi, je ne veux pas faire de politique, hein, parce que je n'en ai pas la capacité. Mais, monsieur Zouéouch, je ne veux pas polémiquer avec vous sur des... Non, mais pas du tout, moi non plus, je ne veux pas polémiquer. Le fait qu'il y ait beaucoup d'assassins, il y a aussi beaucoup d'assassins dans le monde. Ça n'empêche pas les gens de désigner un assassin lorsque c'est le cas. Il y a beaucoup de voleurs dans le monde. Lorsqu'il y a un voleur, on ne peut pas s'empêcher de dire c'est un voleur. C'est le cas pour ce qui est de ce monsieur. C'est un putschiste, nous l'avons dit. Tout ça, je suis d'accord. Quand ça touche la morale, je ne suis pas franchement d'accord. Quand ça devient de la politique politicienne, bon, ben ça, chacun a ses opinions, tout simplement. Voilà ce que je veux dire. Passons au fait économique. Alors, selon vous, donc si on pouvait rester que dans le seul domaine économique, quelle perspective cette visite pourrait-elle engendrer, selon vous? Écoutez, les perspectives, bon, on a parlé hein, de ces temps-ci, d'une éventuelle livraison de gaz de l'Algérie à l'Égypte. Première chose que je voudrais vous dire, la seule manière que nous avons pour livrer, nous, Algériens, livrer du gaz à l'Égypte, c'est de livrer sous forme de gaz liquéfié, parce qu'on n'a pas de pipe avec l'Égypte, hein, vous le savez très bien ça. Et donc, pour pouvoir livrer du gaz naturel liquéfié, encore faut-il que l'Égypte ait les installations pour recevoir ce gaz naturel liquéfié.
qui nécessite des installations. Vous savez, il faut une installation pour liquéfier le gaz, mais il faut une autre installation pour le rendre gazeux, parce qu'il n'est utilisable que gazeux. Or, les Égyptiens n'ont pas cette installation en Égypte. Ils ont un GNL qui produit du gaz liquéfié, qui est arrêté parce que leur gisement de gaz a commencé à s'épuiser. Mais ils n'ont pas ces installations. Alors, ils sont en train, semble-t-il, d'après ce que j'ai lu dans la presse, négocier la venue d'un floating regas plant, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une unité de regasification du gaz naturel liquéfié flottante. Bon, oui, mais... Mais s'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas recevoir du gaz algérien. Et si on... Même des méthaniers... En général, les journalistes confondent beaucoup gaz et GPL. Il est probable que quand les gens parlent de gaz, ils parlent de GPL, c'est-à-dire de butane et de propane. D'accord. Là, effectivement, le butane et le propane, comme... Il y a des coupures, monsieur Zeus, il y a des coupures. Ah bon, non. Mais je vous dis, donc, quand les gens passent de livraison éventuelle de gaz à l'Égypte, ce serait probablement plutôt du butane et du propane qu'on pourrait leur livrer. Voilà. D'accord. Mais sinon, en matière de, comment on dit, les méthaniers, on ne peut pas leur livrer du gaz à travers des méthaniers. Non, je vous ai expliqué, monsieur. C'est que si vous envoyez du gaz naturel liquéfié, comme on peut l'envoyer dans des pays lointains, sauf quand on n'appelle pas, comme avec l'Italie ou avec l'Espagne, il faut nécessairement qu'ils aient une installation qui est similaire de l'autre côté pour rendre ce gaz liquide gazeux, pour qu'il puisse être utilisé pour leurs besoins. Or, d'accord, ces installations n'existent pas en Égypte. Et je vous dis, ils sont en train de discuter, je ne sais pas où ça en est, honnêtement, pour la venue d'un floating regas plant, c'est-à-dire une installation de regasification du gaz naturel liquéfié flottante. Mais ça nécessite du temps ou c'est une opération Nécessite du temps parce que c'est quand même quelque chose qui ne court pas les rues. Il faut trouver, je pense qu'ils avaient déjà un accord avec des Norvégiens qui disposent d'une unité de ce genre, mais je pense que ça n'est pas encore réglé ni acquis encore. Voilà. D'accord. Donc la seule chose que nous pouvons faire, que l'Algérie peut faire, c'est leur vendre du butane et du propane, dont ils ont la nécessité et le besoin. Hein. Et oui, vous m'aviez dit tout à l'heure au téléphone que l'Égypte, je crois que généralement dans les villes égyptiennes, il n'y a pas donc de gaz de ville, comme on dit, que les gens ne sont pas connectés à... Non, c'est surtout le butane. C'est surtout le butane. Ils ne sont pas au niveau, par exemple, où nous sommes, nous, ou d'autres pays, où il y a des conduites de gaz et de la distribution de gaz au niveau du public, hein, où c'est très limité en tout cas. Dans ce cas, la demande, elle doit être énorme. Elle doit être très importante, du moins. La demande est importante, bien sûr. Bon, ils en produisent un petit peu, mais pas suffisamment pour tous leurs besoins. Et l'Algérie, en termes de production, elle est plus importante que la leur? Nous devons être le troisième exportateur de GPL au monde, hein. Ah bon, ce qu'on appelle le gaz de pétrole liquéfié, qui est un mélange de butane et de propane. D'accord. Sinon, hors le gaz propane et butane, quel genre de coopération sur le plan économique, hein, l'Égypte et l'Algérie pourraient-elles entreprendre à court terme, disons? À court terme, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, hein, et d'un côté et de l'autre, hein, certainement. Les Égyptiens ont une petite industrie manufacturière, ça peut être intéressant pour l'Algérie si les prix sont intéressants pour l'Algérie. L'Algérie peut à la limite exporter des produits miniers qui existent chez nous s'ils ont besoin, c'est à regarder. Et puis, continuer à établir, maintenir des relations qui existent depuis longtemps, je vous dis, entre les deux pays, hein, quels que soient les pouvoirs politiques qui existent dans ces pays. Oui. Le monsieur Mebtoul qui devait rester avec nous, a quitté... Oui. J'aurais bien voulu saluer mon ami Abdelrahman. Oui. Ben, il a dû quitter précipitamment et raccrocher et ne pas rallumer son téléphone parce qu'il a dû être aussi choqué que vous par mon introduction. Peut-être. Parce qu'il avait insisté pour que je ne lui pose que des questions économiques. Mais ceci étant dit, il a été repris par Chorouk, qui lui aurait fait dire ce qu'il n'aurait pas dit selon lui, comme quoi l'Égypte fournirait du gaz naturel à Israël
et Mais je qu'elle crois voudrait qu'ils ont bien, arrêté de fournir du gaz voilà, naturel. voilà, et qu'elle voudrait Ils ont arrêté. compenser par un. Donc, vous confirmez qu'ils Non, ont arrêté non. de fournir du Non, non, gaz. ça vraiment, c'est de la désinformation. Non, non. Ils le D'accord. font, vous savez pourquoi? Ils avaient, du temps du président déchu, Moubarak, ils avaient livré du gaz à l'Égypte à travers un pipe qui a été saboté une cinquantaine de fois au moins. Mais actuellement, ils ont arrêté la livraison de gaz à l'Égypte. Pardon, à l'Égypte, à Israël. D'accord. Alors, Monsieur Zouyouch, vous êtes un expert en énergie, vous êtes Oui, un merci. gestionnaire de haute volée, vous avez été Oui. PDG de Sonatrach, Merci, merci. je Oui, vous en oui. prie. Mais vous n'en demeurez pas moins un citoyen, un homme. Absolument, je suis avant tout un citoyen. Ah là, et donc, j'aimerais bien qu'on discute un peu de ce qui vous a choqué dans mon introduction, le putsch qui a été commis contre le président Morsi. Pourquoi n'envisagez-vous pas une telle discussion? Pourquoi refusez-vous le fait de pouvoir en parler simplement? Écoutez, d'abord, ce n'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas mon domaine, comme vous dites, je suis plutôt dans l'économie et l'économie de l'énergie particulièrement. Mais c'est discutable, hein, si vous voulez, hein, c'est discutable parce que moi, ce que j'ai vu, hein, ce que je suis, c'est ce qu'on parle à la télé chez nous ou quoi que ce soit, Oui. mais il ne faut quand même pas oublier que le 30 juin 2013, je crois, c'est bien ça, il semble-t-il qu'il y avait 30 millions d'Égyptiens qui étaient sortis pour réfuter le pouvoir qu'il considérait comme étant pas intéressant pour l'Égypte de M. Oui. Morsi. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Or, comme je vous dis, il y a toujours la volonté des peuples qui doit être respectée. Oui, mais pendant les élections de ce monsieur qui, soit dit en passant, avait promis de Lequel? ne pas se présenter, puis qui s'est Oui. présenté, puis qui a, dans une parodie d'élection, au point où ils ont rajouté un troisième jour de scrutin, au Absolument, point où ils ont oui. décrété une amende à qui ne présenterait pas sa carte électorale, Ah, ça, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai pas entendu dire Non, 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 ce n'est pas moi, c'est qu'il ferait une c'est tout. amende à celui qui ne voterait pas. Non, non, Parce c'est que, tous vous les savez, médias du monde. d'abord, je vais vous dire une chose, Samahni. Toi-même. Comment pouvez-vous vérifier si X a voté ou n'a pas voté, hein? C'est La tout carte de simple. vote estampillée a voté. Ouais, oh, je vous en prie. Mais c'est la télévision égyptienne qui l'a annoncé, je vous le confirme. Ah bon, peut-être. Moi, je regarde pas la télévision égyptienne. Ben voilà, je vous le confirme, je vous demande de me faire confiance. Alors, Non, ben, je vous fais confiance. voilà. A Voilà. priori, je vous fais Alors, confiance. Bien sûr, je vous fais confiance. comment un personnage qui se fait élire de cette manière, qui a destitué un président, qu'on en dise ce qu'on veut, mais qui a été démocratiquement élu dans les seules élections démocratiques de l'histoire des Arabes, reconnues par ses propres adversaires, pourquoi ne pas dire oui, c'est un coup d'État, oui, ce monsieur a été mal élu, oui, ce monsieur est un despote qui a été imposé par l'argent, par des forces occultes, par la Saoudie. Pourquoi ne pas le reconnaître? Pourquoi ne pas Parce vouloir en que non, discuter? parce que je pense que vous tenez un raisonnement qui n'a pas nécessairement tous les justificatifs nécessaires. Parce que là, ça, moi, je l'ai entendu à votre télévision, mais le président Sissi a été élu. Le nombre de voix qu'a obtenu le président Sissi, c'est la somme des voix qu'avaient obtenues Morsi et Chafir ensemble. Je crois que vous êtes mal informé parce Ah, pas que du tout, pas du tout, monsieur. Pas du tout, je pas crois du tout. le taux de Pas du tout. participation, le taux de Hein? Je ne part. parle pas du tout de participation, je vous parle du nombre de voix. Le nombre de voix qu'a obtenu Sissi Oui. et la somme des voix qu'avaient obtenues aux élections de 2012, je crois, monsieur Morsi et monsieur Chafir, les deux concurrents. Et si cela était, vous pensez que c'était des chiffres réels, des Non, chiffres. non, non, mais Ouais. non, ce que je veux vous dire par là, Ouais. quand on veut faire jouer les chiffres, vous savez, les chiffres, hein, ils disent ce qu'ils ont envie de dire, hein, donc on peut les utiliser comme on veut, hein, les chiffres. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est tout. Sinon, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une alliance stratégique entre Oui. l'Algérie et l'Égypte, entre les deux régimes, pour ce qui se passe en Libye en ce moment?
Vous savez, ce qui se passe en Libye, c'est déjà malheureux et c'est déjà scandaleux ce qui se passe en Libye. Ce qui se passe en Libye, c'est le résultat d'un certain nombre d'interventions de puissances étrangères qui ont fait que la Libye est arrivée à ce qu'elle est arrivée. Je ne veux pas du tout ni défendre les anciens régimes ni les nouveaux régimes. Oui. Ce que je considère, c'est qu'aujourd'hui, les Libyens sont complètement désorientés, ils ne savent plus où donner de la tête. Et c'est malheureux pour un pays, surtout que c'est un pays frère, c'est un pays proche de l'Algérie. Et c'est un pays qui a beaucoup d'atouts, et c'est malheureux qu'ils en soient aujourd'hui à vraiment être en errance, parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, hein, tout comme l'Irak, hein, vous savez, oui, ce sont des pays qui sont en complète errance actuellement. Et c'est le tout. Notre rôle, si vous voulez, c'est de faire en sorte pour que ces pays retrouvent une solidité qu'ils devraient, qu'ils n'auraient pas dû perdre, et retrouvent enfin quelque chose qui puisse permettre à leurs citoyens de mener une vie normale. C'est avant tout ça, avant de chercher des raisons, etc. C'est ça le. Nous devons faire des efforts, c'est des efforts en ce sens-là qu'on doit faire. Absolument. Pour que la Libye retrouve enfin une vie normale pour ses citoyens. Mais vous ne pensez c'est pas. C'est la même chose pour l'Irak aujourd'hui. Mais vous ne pensez parce pas que. Ce sont des pays. Oui. Ce sont malheureusement des pays qui, dans la situation dans laquelle ils sont, risquent de voir leur pays partagé en deux ou trois, et ça, c'est malheureux pour moi. Absolument. Et vous ne pensez pas que ces situations dans lesquelles elles sont, justement, puissent être provoquées, elles aient été provoquées par des forces qui auraient... Et après, il y a toujours des forces obscures qui provoquent ça, mais bien sûr qu'il y a toujours des forces obscures qui provoquent ça. C'est parce que c'est bien de pouvoir dire, regardez, vous voulez la révolution, regardez la Libye, regardez l'Irak, regardez la Syrie, restez non, tranquille mais non, chez mais vous. Vous avez, non, attention, n'oubliez plus, non, c'est ouais. Dire, regardez. Quand mais c'est ce qu'ils disent, temps, M. Zouéouach. Le premier printemps, comme on appelait le premier printemps arabe, c'est la Tunisie. Oui. Et la Tunisie est en train de mener son petit bout de chemin, et elle est en train de retrouver une stabilité. Absolument. Et bon, ils ont des problèmes économiques, c'est certain, mais ils sont en train de retrouver une stabilité. Je ne vous le fais pas dire, exactement, c'est exactement cela. Or, ils sont pas en train de dire « Regardez la Tunisie, elle a réussi son printemps ». Ils sont en train de dire oui. « Le printemps, c'est enfin, la Syrie ». Elle n'a pas réussi, elle est en bonne voie. Elle est en bonne voie. Parce qu'ils elle... ont besoin de travailler encore et d'être aidés c'est normal. Pour qu'ils arrivent à retrouver une bonne situation. Quand on sort de 50 ans de despotisme, on ne se retrouve pas du jour au lendemain, par la grâce du Seigneur, démocrate tout blanc. Mais pourquoi vous dites 50 ans de despotisme? Parce que du temps de Bourguiba, c'était le despotisme. À mon avis, moi, je suis l'un des grands admirateurs de Bourguiba. C'était un despote, mais un despote éclairé. Écoutez, quelquefois, les despotes éclairés ont fait les grands pays. Hein. C'est vrai, mais il n'en demeure pas moins qu'il fut un despote. Et qu'il a gardé le pouvoir pendant... Mais sinon, c'est un despote éclairé. Et je crois que c'est lui qui a construit le civisme tunisien, qui a fondé la société tunisienne. Si vous regardez l'œuvre de Bourguiba, moi, je ne suis pas là pour le défendre. Mais oui. Je dis, si vous regardez l'œuvre de Bourguiba, parce que personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs, mais nécessairement, il a fait, probablement, le positif pèse plus que le négatif. Je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Sur ce, Monsieur Zouéouach, merci de nous avoir accompagnés. Merci de m'avoir aidé à passer cette émission que je me suis retrouvé tout seul avec vous alors que c'était prévu que vous soyez deux. Je remercie Monsieur Mbtoul aussi d'avoir raccroché, de nous avoir quittés. C'est son droit. En espérant vous revoir bientôt sur la chaîne El Magharibia. Cette émission est maintenant terminée. Merci Monsieur Zouéouach Nizam. Bonsoir. Salam alaikum. Azul Fellaouen.